Eh bien, bonsoir. Donc, les résultats d'un Questembert ont été connus pour ce deuxième tour. Donc, Paul Molac arrive en tête assez largement avec plus de 68% des voix, 68,7. C'est une bonne nouvelle parce que sur notre territoire, la résistance existe avec des gens, avec une personnalité très implantée qui est présente, qui défend les intérêts du territoire, qui défend aussi les intérêts d'une vision humaniste à l'Assemblée. Et il s'est opposé à la loi sur l'immigration, il s'est opposé à la loi sur les retraites. Donc ça signifie quelque chose pour nous. Et puis si on regarde de manière un peu plus fine sur Questembert, on voit que le bloc identitaire est à 31%, un peu plus, avec 1400 voix. C'est un peu inquiétant, ça veut dire que ce vote-là est ancré dans notre territoire. Donc ça sera important pour nous, d'ici la fin du mandat, à continuer de travailler sur le bien vivre ensemble pour notre commune.